Ça, c'est une arme de défense extraordinaire. All people around see the shelter. Many people are angry about it. Mettons que tu voudrais savoir c'est qui te vole ton stock, là. We're saying to people, you don't want to put it back like it is. If you do, you'll just go through a war again. Dans le monde actuel, est-ce que c'est normal d'avoir peur? Est-ce qu'on doit vivre dans la crainte d'un bris de normalité? Je retourne voir Benoît dans sa base autonome durable. Cette fois, il m'amène à l'intérieur et il m'amène voir ses armes de chasse. Et je peux vous dire, Benoît, il est équipé solide. Là, Patrice, ça c'est mon petit man's cave. Okay. C'est un endroit privilégié. Regarde ici les pièges. Donc, OK, pour la trappe? Ouais, trappage, okay. Piège, piège à loup, etc. Moi, beaucoup de mes choses, ça, on fait double usage. OK. Ça, ça peut servir comme piège à castor. OK. Puis dans l'ultime, tu sais, quand le 9-1 marche plus, là, okay. Quand la catastrophe est arrivée. Puis admettons qu'il y a plein de zombies là, qui veulent me voler, ouais. Me faire la peau. Là. Zombie apocalypse, là. L'apocalypse. Ben moi, je peux essayer des pièges de même. OK. Ça le sent à terre. Toi, tu piles dessus, tu vas rester là. Pas clair. Ça a fait bobo. Des arcs pour chasse à l'arc. Chasse à l'arc, arbalète. C'est plus maniable. Ça, tu peux rentrer en dessous des arbres, les sapins, plus te tasser, tu comprends? Okay. Une arme extrêmement précise. Mmh. Ça, tu serais surpris de savoir la force d'un arc et d'un arbalète. C'est terrible, là, les dommages que ça fait. Ah oui. C'est terrible. Je te tire ici, là, ça sort l'autre bord. L'autre bord. Bord en bord. Ça ici, OK, ça, c'est les... Une sarbacane. Une sarbacane. Ouais, eux autres, on peut tirer aussi. Là. Tu serais ouais. Surpris de la puissance. Là. Benoît décide de montrer quelques trucs pour faire du feu en cas de survie. Là, quand je dis quelques trucs, c'est pas un ou deux trucs. Je pense que c'est pas mal tous les trucs qui existent pour faire du feu. Le feu, là, c'est l'élément qui te chauffe. C'est un élément qui bouille ton eau pour ouais, la désinfecter. Ça, c'est de la mousse de sécheuse. OK? On prend d'autres choses différentes pour allumer un feu. Okay? On prend des... Il y en a de tous les sortes, ça. Okay? Ça, c'est mon préféré. C'est... Hein, t'as vu? Et voilà. Mm-hmm. Mais, regarde, passons à des choses différentes. Ouais, regarde bien ça. Hein? Tu vois ça? Regarde la force de ce feu-là, mon ami. Les petites lingettes démaquillantes des petites madames, là. Hein? Regarde bien ça. Et voilà. Ben, tu prends un petit peu de vaseline, tu mets ça sur une petite ouate, là. Tu vas avoir un allume-feu qui va durer très longtemps. Okay. Voilà. Attends. C'est pas beau, ça? Mais c'est parfait, ça. Regarde, je vais te montrer d'autres choses. T'es chez vous, il n'y a plus de lumière, il fait noir. Moi, je prends un petit papier de toilette, un scot towel, là. N'importe quoi, là. J'aurais pu la tremper un petit peu même dedans. Regarde bien ça. On va faire un petit trou, descendre ma chandelle. Allume-les. T'as l'honneur. Voici une chandelle chez vous à domicile. Qui va durer. Attends, combien de temps tu penses? 24 sur 24, ça dure un mois, ça. Hein? OK? Ça dure un mois une chandelle de même. Tu prends ça où, ces idées-là? Ben, je fais des tests, hein. Je m'amuse. Ouais. Ça prend de l'imagination. Ça prend de l'imagination, puis surtout, faut que tu le travailles un peu. Tu essayes des choses, ça.
Là, t'as des armes à feu. J'aimerais ça qu'on en parle un peu, des armes à feu. Ben, c'est important, les armes à feu, vraiment pour la chasse. Oui. Si t'aurais juste à acheter une arme dans ta vie, t'es mieux qu'un 12. Voilà. Ça, c'est un calibre 12. Mm-hmm. Mais ça, c'est l'arme idéale, multi... Ça fait toutes sortes de choses. Mais... Ça, c'est une arme aussi de défense extraordinaire. Mm-hmm. Vraiment. Tu mets ça dans la face à quelqu'un, puis... Les miens vont se fermer vêtements. Ouais. Mm-hmm. Pendant qu'on discute, Benoît sort son cellulaire et me montre toutes les captures d'écran d'articles qu'il a lus sur le web. Là-dedans, on retrouve tous les bris de normalité possibles et imaginables. Pour les survivalistes, c'est une mine d'or. Prenons juste dernièrement des images saisissantes de New York plongées dans le noir. Ici, violent braquage à domicile à Saint-Édouard. En Chine, la peste porcine. Ils ont tué 1,6 million de cochons. Regarde, ça peut arriver, ça, tu sais. Mmh. L'escalade des tensions dans le Golfe. C'est toutes des bonnes nouvelles. Guerre civile américaine probable. C'est des bonnes, celles-là. Trois astéroïdes sont passés près de la Terre aujourd'hui. C'est d'autres problèmes. Regarde, aujourd'hui même, à matin, two Russian nuke capable bombers interceptés en Alaska. Deux avions nucléaires interceptés. Au-dessus de l'Alaska et du Canada. Yes. Ça prend une seconde. Tu dors, puis tu te réveilles, puis... Tout est effondré. Tout tombe, OK? Les fuites de données, des attaques, ça, c'est des attaques, des cyberattaques. C'est fou. En quelques jours, t'as comme plein de nouvelles qui disent ça pourrait m'attirer, le trouble. Il est présent, il flotte autour. Il flotte. C'est pas impossible que ça arrive. Benoît continue à me parler de bris de normalité possible. Il mentionne les tempêtes solaires, qu'on appelle aussi des EMP. Ça peut causer de gros problèmes. EMP, là, c'est une pulsion électromagnétique qui arrive du soleil ou d'une arme atomique, là, OK? Des bombes spéciales, OK? Ça arrête tout le système. Moi, j'ai toujours dit, pour mieux que tu te prépares avant que pendant. T'as-tu de l'argent liquide? Moi, j'en ai. Combien? Là, j'ai 100$ sur moi. 100$, tu feras pas un long jeu. Non, c'est un minimum. Tu t'achètes pas une semaine de grosserie avec 100$. Ça n'a pas grand-chose. Parce que l'épicerie, là... où les magasins vont prendre que du cash. Oui. Okay? Les cartes de débit ne marchent plus. Même si tu as 100 000 dans ton compte de banque, tu peux pas l'avoir. Moi, j'ai vérifié à 4 banques. La minute qu'il n'y a plus d'électricité, la minute, ils sortent tout le monde de la banque puis ils barrent la porte. C'est fini. J'ai un peu l'impression que la peur entretient la peur. Oui, il y a des nouvelles inquiétantes dans le monde, mais si on fait juste collectionner ça, c'est sûr qu'on a l'impression que la fin du monde est imminente. Benoît décide de me lancer un défi. Le défi de la sarbacane. Le genre de défi que j'aime. Juste pour ajouter au défi, on a gagé un petit 2. Garde-le dans les mains. Oui, je regarde. Non. J'espère que tu pleureras pas si... Je pleurerai pas. C'est super, OK? Je suis solide. Check bien ça. Pas clair. Voilà, mon homme. T'as 2 piastres. Yes, sir, man. Yes. Yes. OK, moi, il faut que j'essaye ça. Oui, oui, viens. Voilà. Yes, sir! Fait que, hey, Pat, là ton 2, mon homme. Je te remets. Yes, sir, félicitations. Super. Mm-hmm. Je veux en savoir plus. Benoît m'amène alors près de son garage pour me montrer une tactique à utiliser en cas de crise. Ici, on a des réservoirs de fuel. OK. Mm-hmm. Regarde, je pense que dans... Un scénario épouvantable. Tout le monde veut le voler. C'est ça. OK? Ben moi, je veux le protéger. On a des caméras de surveillance, on a des chiens de garde, on a 2 gros chiens de garde, on a nos armes à feu, mais on a aussi ça, moi. Là. Ça fait que, mettons que tu voudrais savoir c'est qui te vole ton stack, là. Je vais te montrer ce qu'on fait. Mmh? Parfait. Regarde ça. Installe ça à terre. Okay. Fait que là, t'as enlevé les sûretés. Oui, les sûretés sont enlevées. OK. T'entends ton piège. Puis là, tu le mets là spécifiquement parce que... Bien, comme tous les bons trappeurs du Québec, là, ils essaient de regarder où le gibier va passer. Tu comprends-tu? OK. Les tanks sont là, il y a un tracteur qui est là.
Bien, le voleur de fuel, là, généralement, il va poser ça. C'est là, ça. Fait que tu trouves des endroits stratégiques pour poser tes pièges. OK. OK, ça que Pat. On regarde ça. Check un exemple. Tu sais, le gars, il arrive. Met son pied. Regarde bien ce que ça fait. Oh! Voilà. Mettons mon pied, là, qui est là. Ouais, ouais. J'essaie de dessnapper. Non, tu seras pas capable. Impossible, hein? Impossible. Non. Pris là. Il n'y a pas grand homme qui. À part des trappeurs d'expérience, là. Tu seras pas capable. Ah non, oublie ça. J'ai deux mains. C'est barré, là. Regarde, t'es capturé. Oui, c'est clair. T'es pas mort, là, t'es capturé. Fait qu'on capture notre voleur de fuel. Moi, je recommande pas à personne de venir voler notre fuel. Non, ce serait pas une bonne idée. Depuis toujours, les bris de normalité sont présents dans nos vies. Même qu'à une certaine époque, les gouvernements jouaient beaucoup là-dessus, particulièrement aux États-Unis. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States. Bruce, un Américain qui vit maintenant en Ontario, a été particulièrement affecté par cette peur, et ce, depuis plusieurs décennies. En arrivant chez lui, la première chose que je remarque, c'est l'univers sombre dans lequel il habite avec sa femme. Bruce m'installe devant l'ordinateur et me fait plonger dans son monde. Bruce me montre des articles pris sur le web. J'ai pas l'impression qu'il lit vraiment les articles, mais qu'il s'accroche juste aux gros titres. I don't refer much to myself as a prepper, although many people view me as a prepper, and I'm probably one of the most notorious preppers in their eyes and all that about. Preppers are concerned about this great catastrophe that they think is going to happen, and they are stocking food and getting weapons and planning to protect their family and them against the world. Yeah. And this is the concept that people have of prepping. I am what I call a reconstructionist, and I put out this paper many years ago about reconstruction after nuclear war. I always give people three pieces of advice. Number one is get out of the cities. Number two is get out of the cities. And number three is get out of the cities. So what do we learn in your journal? There's an explanation of how you reestablish an economic system once the whole market system we have is down. On the back page, we asked the question about putting it all back like it is. We're saying to people, you don't want to put it back like it is. If you do, you'll just go through a war again. La guerre nucléaire nourrit la peur de Bruce. Right now, times are very, very threatening. The bulletin of the atomic scientists has this, what they call the doomsday clock. And it is now the closest to midnight that's ever been. If we were minutes away before, we're now down to seconds. We are that close to war. Iran has a mutual assistance agreement with Pakistan, who has nuclear weapons. Netanyahu in Israel said to him, "Fellows, don't do anything here. We got all these F-35s, and you know what they can carry, and they can reach any one of you." This is how close we are to nuclear war. Depuis des années, Bruce travaille à la construction d'un bunker. Le plus gros bunker au Canada. Ça, ça m'allume. En arrivant sur place, j'aperçois tout de suite la porte du fameux bunker. J'ai très hâte d'y avoir accès.
Okay, step out of the rain and into the ark. Wow. Oh, la lumière qui est... Ouh. Ambiance. Première chose qui me frappe, l'humidité partout sur les murs. This is buses. These are the buses. So how many buses? There are 42 buses. And this is the most essential point of any shelter, because as you come down, we make a 90-degree turn, and radiation cannot make that turn. This is what keeps radiation out of the shelter. So radiation is supposed to finish here. Yeah, we run into that wall. Okay. Honnêtement, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus achevé. J'avais l'impression d'être dans un abri antinucléaire qui avait déjà passé à travers une guerre nucléaire. Off to this side, if we went that direction, that's the decontamination room. That's where we take people first. For how long are they going to stay in the decontamination room? Oh, no, we just take the men, decontaminate them, and so let them go into the shelter. Moving along here. Je marche avec Bruce, qui me fait visiter son bunker. La salle de bain des femmes, la salle de jeu des enfants, la cuisine, le cabinet médical et la chaise de dentiste. How people around the community here see the shelter? Oh, they see it's totally ridiculous. Oh, yeah. And many people are angry about it in many different ways, okay. For different reasons. So they were angry at me about, you know, scaring their children or whatever. Oh, yeah. You see, that type of thing. If there's a catastrophe and people need to come in the shelter, are you gonna choose them? Yeah. Well, that procedure is called triage. You know, I'm not going to play God about it, but on the other hand, if there's a large number of people, we've got to ask questions, you know. And it comes to triage, and they say, well, this kid has to have this medicine every day, like they're type 1 diabetic or whatever the thing is. Well, there isn't going to be the insulin, and so they're just taking space from some other child who could survive, you know. Okay, so this is the water supply room, and what we have here are two pumps that pump the water out of our well, and they pump the water up here into this water settling tank. Okay. And right here, if you want to step over here beside me, I can show you right here, that's the curvature of the bus right there, you see. Okay. And above this, 2 feet of concrete. And then above that, there's 5 feet of earth at the other end. There's 14 feet of earth over the shelter. Wow. C'est hallucinant, l'épaisseur de béton qu'il y a par-dessus. Wow. Quand je pense avoir pas mal tout vu, Bruce me mène dans une pièce un peu spéciale, le cry room. The whole idea of the cry room is you bring in a child who's crying, and you turn off the light, so they're in here in a quiet spot, and we shut this door, we close the cry room door. Then the noise that they're crying does go out throughout the shelter and bother other people, you see. One crying child, and you could wake up another 100. Yeah. You know, you don't want to do that. Well, but don't you think the kid crying here is going to cry a lot more? No, there's somebody in here holding and feeding it and getting it quiet and asleep. A little baby, you mean? Yeah, or any kid that was crying. We say, you want to go to the cry room? If they're going to cry, we'll cry in here, yell your lungs out. They won't come here. Tout ce que tu veux. C'est surtout pas enfermer un enfant, là. So what do we have here? So this particular bunk room looks really identical to all other bunk rooms, but this one is for 96 children. They're ages 5 to 7. We put 2 children in a bunk, toe to toe. And the thing that shocks people more is that we separate people by sex and age.
and people say, oh, I'm not going to be separated from my children, especially under those kind of conditions. Well, then you and your children aren't going to be in here, because in order to get this number of people in, we have to have this bunk room for children. Quand je regarde tout ça, je suis bien obligé de constater et d'admettre le travail, la préparation et l'ingéniosité qu'il y a derrière ça. Malheureusement pour Bruce, il n'y a rien qui fonctionne. J'aurais aimé pouvoir avoir accès au bunker il y a une dizaine d'années.